ont une très bonne qualité de passe. Les joueurs de Montblanc. Ils ont pas de mal à se trouver. Allez. Clément Mermoud qui met à Eric Léger, Zabis, attention dans le coin. Ouh, le bon décalage et le magnifique but de Montblanc. Mais vu la physionomie du match, si Montblanc se réveille encore un peu plus, ça risque de faire mal quand là, même. Bon, j'ai mis cette opinion au moment où Montblanc est en faute numérique, donc on peut comprendre qu'ils ont un peu plus de mal. Alors voilà, le but, le magnifique but, la passe. Un peu un but. Alors ça va peut-être réveiller le Mont Blanc. Parce qu'à mon avis, là, ils vont dire là et maintenant, suffit la plaisanterie. C'est clair que là, ça risque de réveiller Mont Blanc à l'image de Walsh là qui vient qui faire la différence là. Festival. Oh attention là et le but, voilà la réponse, c'était sûr. Ah oui. Gravé, la belle passe là pour Harkonnen qui peut chipper Spalet là sur Marcel Balaz et attention il y a peut-être quelque chose à faire. Oui la belle passe sur Martinez. Ça n'a pas conclu mais c'était bien. Voilà. Ça c'est. Et voilà, là derrière. Eric Léger. Et qui a profité. Allez le face-off gagné par Montblanc. Disputé mais fini. Pas de gagné par le Montblanc. Allez batailler. Qui peut mettre ce palais dommage là, il cherchait Châtelard. Allez il faut faire quelque chose là, il faut mettre à la cage. Voilà, et on en parlait de ses shoots à mettre à la cage pour voilà, les rebonds. Et ben oui. Ouais. Mont Blanc, et là c'est très bien fait là, Vialat. Attention parce que. Alors on va voir si Mont Blanc à chaque fois réagit rapidement après les buts de Clermont-Tois. Oui, bien voilà, fait. Voilà, oui, là il a bien. L'arrière ne l'a pas laissé passer. Hein. Attention là le décalage, il faut faire sortir Spalet là. Encore. Ouais, malheureusement on fait voilà, voilà. On a tardé à faire. Un match qui reste quand même assez serré. Au niveau du score. Allez Bastien Zago, oui c'est bien joué sur Emoneto. Attention à l'opposé, il a sûrement Waltz. Oh la magnifique passe. Oui. Quelle passe pour. Allez, bonne déviation pour éviter le dégagement interdit. Attention à la sortie de Victor Goy là, il est bien. Il s'en est bien sorti. Oh la mise en échec de Clément Grosse-Tête. Oh et attention la belle passe parce que là c'est Zabis qui est tout seul. Oh et le magnifique arrêt. Et le but. But. Non, je sais pas. Si. Allez, la fin de la pénalité. Pourquoi pas encore, peut-être un shoot là qui va être amené, ouais c'est dommage, c'est bien joué. C'est le moment où le joueur rentre, de ne pas offrir un contre. Ouh le bon shoot là de Travnicek. Ah oui,